Good feet from him to pick the pass. Favourite, Trostekong as well. It is Itebo. Take it. Looking for the touch on. And South Africa. The goalkeeper's missed it. Got a lot of players zonal marking. He can't get there. Certainly, I don't think he was impeded. Bonjour, bienvenue sur DZ Vision. On va faire juste une petite analyse concernant la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à DZ Vision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le Nigeria aussi s'est qualifié aux demi-finales. Et c'était un très très bon match entre ces deux grandes équipes. On n'avait pas du tout la certitude que le Nigeria allait se qualifier parce que ils ont marqué leur premier but et malheureusement le but a été égalisé par l'équipe adverse. Et ça a donné l'incertitude dans la qualification de l'équipe nigériane. Le Nigeria s'est qualifié avec un coup de chance de ce joueur Ikong qui marque le deuxième but en 89e minute. C'était vraiment un coup de chance parce que tout le monde voyait les deux équipes en prolongation, mais heureusement la chance a souri pour le Nigeria qui a marqué leur deuxième but en 89e minute. Ce qui est à noter, c'est que les deux équipes ont très très bien joué parce que le match était vraiment vraiment serré. Mais bon, maintenant on saura quelle équipe le Nigeria affrontera en demi-finale, parce que les autres n'ont pas encore joué, les quatre équipes restantes n'ont pas encore joué les quarts de finale. Mais ce qui est sûr, cette équipe elle est vraiment bonne parce que j'ai fait des belles prestations depuis le début de cette CAN. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver en demi-finale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez des impressions concernant la rencontre, n'oubliez pas surtout de mettre un commentaire.